Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit jeu du coup assez sympa. Aujourd'hui, on va fabriquer des PC. Donc, on va commencer sur une petite config vraiment 2000$, je pense. Ça suffit largement. Ok. Donc, on va prendre un boîtier PC à minimum, du coup max, pardon, 100. On va prendre un boîtier PC vraiment pas trop cher du coup. Périphérique, c'est quoi ça? Ah, ok, on peut acheter des écrans aussi. Excusez-moi. Prix 100. Voilà. On va prendre un PC basique pour des petites configs. Genre vraiment une petite config vite fait. On va prendre. Allez, on va prendre. On va prendre celui-là. Le next. Du coup, il est un peu cher, mais ça suffit largement du coup. Donc comme vous pouvez le voir, le boîtier, il a 66$ et les ventilateurs, 17$. Donc ce qu'on fait nous directement, on retire les ventilateurs parce que simplement ça ne sert à rien. On va retirer la boîte de derrière. La face avant, je crois pas que je peux l'enlever. Non, je ne peux pas l'enlever. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer du coup. On va installer tout en blanc. C'est l'objectif parce que vu que c'est un boîtier PC en noir, on va essayer de mettre tout en blanc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est une carte mère white. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez voilà. Donc on va essayer de faire un AMD si je me trompe pas, AM4 du coup là. Voilà. On a la carte mère qui est un peu chère, mais qui fait la différence du coup. Ok, donc ça c'est bon, on va installer les petits ventilateurs du coup. Ils sont pas RGB par contre ceux-là. J'ai marqué white mais RGB. Du coup. Hop. Voilà. Je vais prendre du coup 52, 45 CFM. Je vais prendre celle-là. Je vais mettre là. Je vais prendre plusieurs du coup. Je sais qu'on peut installer plusieurs ventilateurs. Donc là, ça suffit largement au ventilateur. Je peux en mettre non plus plusieurs. Parce que ici, je peux pas en mettre. Ici, je peux en mettre, mais ici, je vais mettre un water cooling en deux. Ok. Donc, du coup, voilà, ça c'est parfait. Alors, on va mettre du coup la mémoire, du coup, le SSD. Les RAM, oui, ça faut aussi, il faut que j'en mette. Je vais mettre cela du coup. Hop, hop. Tac. Ouais, c'est. Ouais, c'est celle-là, ouais. Enfin, je me trompe. Voilà, donc là on est déjà bien. Le processeur, par contre, on va mettre un Ryzen 5 en 5 en 2600X, ça suffit largement. On n'oublie pas la pâte thermique, du coup. Tac. On n'oublie pas aussi de refermer. Bien sûr, pas non plus tout casser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer aussi le SSD. SSD du coup et on va mettre bah il va pas ah non c'est dans stockage pardon excusez-moi SSD et on va mettre un petit truc sympa un petit truc à 512 ça suffit largement c'est un petit peu cher mais au moins ah. Ensuite on va démonter ça pour la carte graphique du coup la carte graphique je crois que c'est celle du bas non c'est celle du haut. Alors la carte graphique par contre la carte graphique je vais mettre du white bien sûr white et je vais prendre en fonction du prix ok les gars voilà prix on va augmenter à 700 700 s'il n'y a rien on bouge à 800 dans un 800 il y en a à 800 il y en a un 3060 ça suffit largement installé on va remettre le petit cache PCI. Voilà, donc là vous avez une petite config vite fait, hein. Vraiment très légère. Là, du coup, on va faire white, du coup, mais du coup, ça sera en refroidissement. Et là, vous avez un GameStorm, du coup, on va mettre vraiment le prix, vraiment max minimum 100 balles. Mais je vais regarder si j'ai un water cooling à ce moment-là. Non, donc je vais mettre 200, je pense. 200 balles, on peut, oui, on peut mettre celui-là. Et celui-là, je vais le mettre ici.
Je sais pas, il est RGB ou pas celui-là? Oui, il est RGB. Ok, parfait. Alors, ça c'est parfait. Les câbles, par contre, les câbles, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que les câbles vont être changés de couleur, vont être du coup couleur bleue, je pense, ou couleur blanc. Du coup, voilà. Donc, ça c'est bon. On a la carte graphique, on a les ventilos, on a le petit truc là. Il nous manque du coup, ça c'est fait, ça c'est fait. Il nous manque l'alimentation. L'alimentation, on va prendre en weight, du coup, aussi. Et on va mettre le prix maximum 100. Il n'y en a pas. On va mettre 200. Et on tombe sur un 750, c'est encore moins cher. Parfait. Installé. Hop, on va mettre le stockage. Le stockage, par contre, on s'en fiche que ça soit un truc. On prend du 2 Tera, ça suffit largement. On va le mettre derrière. Voilà, ça suffit largement. Juste en mettre un, ça suffit. Tac. Ok, c'est parfait. On a tout. Il nous reste juste les câbles du coup. Les câbles, on va les changer. On va mettre du blanc. Blanc bleuré. Je vais essayer de voir le blanc bleuré, ce que ça donne, mais. Hop, on enlève tous les câbles qu'il faut. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est très important. Ok, je pense qu'on a enlevé tous les câbles du coup, à part ça. Et ça. Ça. Bien sûr, on a bien tout débranché. Oui, ça c'est bon, c'est très bien. Ok, parfait. Voilà, les câbles du coup. On va essayer de les mettre. J'aurais envie de les mettre bleus. Pas bleu comme ça, mais un bleu un peu plus clair. Sinon, je mettrais du blanc. Je pense que je vais mettre du blanc, les gars. Hein. Je vais mettre du blanc. Du blanc très blanc. Plastique, non. Voilà, on va mettre du blanc, ça sera plus stylé du coup. Voilà, parfait. C'est très bien comme ça. Et si on aurait pu mettre aussi des 240 ou 220, ça suffit largement. Hop, ça on branche là, ça on branche la carte graphique. Ça, on branche ici, c'est parfait. On va juste installer toutes les pièces du PC du coup. Latéral, tac. Et le petit panneau latéral. Et vous allez voir ce que ça rend. Vous êtes prêts? On va juste installer quand même le petit clé USB. Et voilà. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Bon, tu sais, je crois pourquoi il n'est pas. Pourtant, c'est marqué RGB, je sais pas. À moins que c'est juste là, le truc là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste décharger. On va juste décharger l'éclairage du coup. Et l'éclairage du coup, on va la changer. On va pas la mettre comme ça. Donc là, c'est vraiment une config vraiment basique, les gars. C'est une config très basique. Donc, sélectionner toutes les. Hop, on va mettre en version arc-en-ciel. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur. Alors, la couleur, j'aimerais bien un peu de saumon. Maintenant, je vais plutôt mettre en version respiration. Si je le mets vers là. Vu que c'est du blanc, j'aimerais bien mettre du bleu. Alors, je sais pas ce que ça rend. C'est stylé. Donc là, c'est en version comme ça. Mais si je le mets en version flash. Voilà, là c'est parfait. Donc j'espère que ça t'aura plu. Une petite config voilà qui fait 2170$. Donc qui est à peu près ouais à peu près 2100€ à peu près. Pour une petite config sur Next en full white intérieur, pas extérieur bien sûr. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve du coup la prochaine pour une nouvelle config du coup. Vous me dites dans les commentaires les gars si vous voulez une nouvelle config, avec quel truc, voilà, bref. Et moi je vous la ferai, ok? Allez, ciao tout le monde.